chance à vous. Plein d'erreurs là-dedans. Apparemment, la directrice a relancé la production d'ARP. Ils sont déjà en train d'évacuer d'autres survivants des abris. Super! Je pourrai peut-être bientôt retrouver mon... Bureau, il me faut une porte à fermer sur tous ces gens. Je crois que tu vas devoir supporter tout ce petit monde pendant un petit moment encore. Marshall nous ordonne de rester assis, puis elle se tire. Mais pourquoi? Elle doit avoir ses raisons. Elle est probablement... Alors, elle aurait dû nous emmener aussi. J'ai... besoin d'action, putain de merde! Qu'est-ce que tu sais sur ce type, Arish? J'ai entendu des soldats dire qu'ils les avaient sauvés en maintenance. Ils se mettaient avec une forme de... Ouais, c'est bon, mais je sais pas si ça me plaît, moi, d'obéir à un vigile. Vous vous souvenez de Monsieur Tomassi, le chef des communications? On l'a vu dans le confinement, corrompu par le Hiss, près du tourne-disque. Je vais m'en occuper. Cette chose ne va pas s'en tirer cette fois. On m'a signalé son utilisation particulière de la langue et des intonations en répétant le charabia du Hiss.
Les distinctions comportementales et biologiques entre les différents individus corrompus par le Hiss sont fascinantes. Je me demande si je pourrais catégoriser ces données. Et elle est déjà repartie dans son truc. J'ai vu pas mal de présentations de Darling. Il aime bien être le centre de l'attention, non? Ah, vous avez remarqué? Quand il m'a recruté à la fac, il était venu en personne. Il a interrompu mon cours de physique en criant « Ah, vous avez tout faux !» Et il est venu se placer au tableau avant de commencer à fustiger l'idée même de loi de la thermodynamique. Il a toujours aimé faire son intéressant. Darling est venu vous voir à la fac? Oui. Il a lu un papier que j'avais publié. Il est venu me recruter pour le bureau. J'ai accepté et j'ai passé des années à attendre de pouvoir accéder aux recherches confidentielles promises par Darling. Lorsque je lui en parle, il se contente de marmonner que c'est repoussé temporairement, puis il change de sujet en abordant les effets de l'entropie sur la chance. Je me demande à qui d'autre Darling cachait ses travaux. Marshall? Trench? Vous avez des nouvelles sur l'état de Dylan? Seulement que le Hiss est bien présent, mais j'imagine que sa récitation en était déjà une preuve. Par contre, j'ai relevé que les mots de l'incantation du Hiss font en moyenne 5 lettres. Le verbe le plus commun utilisé à 7 reprises est « vouloir ». Les mots « dans » et « tant » reviennent aussi beaucoup. Passionnant, vous ne trouvez pas? Je m'en fiche des mots. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mon frère? Désolée. Je me suis égarée. Bizarrement, il a l'air en bonne santé, contrairement aux autres contaminés que j'ai pu voir. C'est bon signe, non? Je voulais vous parler de ces trucs fous que je peux faire. Mes capacités. J'ai l'impression qu'elles sont pas très... communes, par ici. Communs et peu communs ne veulent pas dire grand-chose pour le bureau. Mais pour vous donner une idée, le directeur Northmoor s'est un jour servi de la disquette pour envoyer une boule de bowling à 5 mètres de hauteur et c'était déjà énorme. Donc, en comparaison, votre cas est vraiment marginal. Marginal. Ça me plaît. Je dois y aller. Bien sûr, je vous en prie. Thank you.
te vois. Thank you.
Va devoir trouver un nouveau chef de com.
écouter la Nocturne américaine. Et après 29 ans, nous continuons de lever le voile entre fiction et réalité. Merci de nous faire confiance. J'ai reçu de nombreux appels à propos de ce météore à Sterling, dans le Colorado. On nous signale un grand vaisseau sphérique qui s'est écrasé dans un champ hors de la ville. Des agents du gouvernement semblent être sur place. Il se trouve que notre station de radio est située dans le Colorado, et Sterling n'est pas loin. Je suis allé voir ça de mes propres yeux en compagnie de l'équipe de la Nocturne américaine. C'était prévisible. Nous avons rapidement trouvé des débris métalliques qui étaient éparpillés dans un champ. Chers auditeurs, encore un cas d'objet volant non identifié, ou OVNI, qui est entré dans notre espace aérien avant de s'écraser. Le fait que le gouvernement soit venu couvrir l'affaire en pleine nuit prouve bien qu'il s'agit vraisemblablement de visiteurs venus d'au-delà de notre planète, ou même de notre système solaire. Rendez-vous sur notre site web pour voir des images des pièces de vaisseaux que nous avons trouvées. Et pendant que vous y êtes, nos sponsors ont quelque chose à vous dire. La Nocturne américaine revient tout de suite. J'ai résolu le problème, Tomassi. Désolée, j'oubliais que c'était un collègue. Pas d'inquiétude. Ce n'était pas le vrai Tomassi. Il est mort quand le Hiss l'a eu. C'est vrai, mais je voulais pas paraître insensible. Les sentiments sont une faiblesse dans des situations comme celle-ci, Jessie. Ce sont les bases du bureau. Emily n'a pas l'air de quelqu'un d'extrêmement sensible. Je dois y aller. Bien sûr, je vous en prie.
Pourquoi il garde un objet altéré ici? Briefing pour l'excursion du miroir 7C. Le sujet est l'agent Hardy. Hardy a passé environ 3 heures dans le miroir, soit plus que quiconque auparavant. Pouvez-vous décrire votre expérience à l'intérieur, agent Hardy? Ah, horrible, L'agent Hardy est en pleine forme, tous les examens sont positifs, mais ce problème d'expression orale dure depuis plusieurs heures. Calmez-vous, agent. Ça pourrait être psychosomatique. Mais le fait que ça ne se soit déclaré qu'après son retour du miroir laisse penser que l'explication est plutôt paranaturelle. Je recommande plusieurs examens et une quarantaine de classes orange. On dirait qu'il y a un miroir là-dedans. C'est bizarre comme manière d'isoler quelque chose. Ça sonnait un peu bizarre. On a dit officier, je l'ai pas.
C'est... Ouais, non, ça va pas. Quoi? Je ne vous comprends pas. Vous devez m'écouter. J'ai vu quelque chose là-dedans. Il y a un truc à l'intérieur. Vous devez isoler le miroir. Pourquoi vous parlez comme ça? C'est quoi le problème? Vous tous là, il y a quelque chose dans ce putain de miroir! T'as vu ça? Il y a quelqu'un? Ah, comme si quelqu'un pouvait comprendre ça. C'est pas bon tout ça.
pis si je les déclenerai. C'est pour ça qu'ils ont isolé ce miroir. Je me demande ce que le bureau pouvait faire avec ce truc. Ça y est, je l'ai purifié. Le lit c'est parti, tout va bien.